I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last season. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Oblivion pour la dernière recommandation, celle de Bruma. Donc nous sommes partis pour Bruma et enfin, lorsque nous aurons cette recommandation, nous pourrons entrer officiellement à la guilde des mages. Donc j'espère que nous avons les sorts qui nous manquent, mais je pense que ça devrait être bon. Parce que je me souviens avoir été bloquée très longtemps sur cette quête la première fois et pas avoir forcément eu tous les trucs qu'il me fallait pour la réussir facilement les fois suivantes. Alors attendez, c'est à quel étage la guilde des mages? C'est au dernier, non? Non. Pas du tout, ça doit être à celui-ci. Je sens même que c'est juste en face quand on monte. Donc on devait être vraiment pas loin, ça doit être là. C'est là, c'est ça. Hop là, nickel. Et cet endroit, nous allons le piller totalement. Hey, bonjour à vous. Bonjour. Vous devez être nouveau ici. Oh, c'est bon de voir de nouveaux visages à la guilde. Si vous avez un jour besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'ai des amis haut placés partout, vous savez. Je peux organiser des choses que les autres ne peuvent pas. Je serais heureuse de pouvoir vous rendre service. Un de ces jours, vous pourriez peut-être me rendre l'appareil. Je voudrais bien une recommandation. Une recommandation? De moi? Bien sûr. Il serait naturel que Raminus souhaite avoir mon avis, non? Voici une situation dont nous pouvons tous les deux tirer profit, associés. Vous me rendez un petit service et je me ferai un plaisir d'envoyer une recommandation des plus brillantes. Trouvez Giscard. J'écrirai la recommandation immédiatement. Très bien. Qui est Giscard? Il a disparu. Je veux dire, il a réellement disparu. Personne ici ne l'a vu depuis des jours. Volanaro pense qu'un sort s'est peut-être retourné contre lui. Si un membre du conseil passait par là et s'apercevait de son absence, je serais dans de beaux draps. Je ne peux pas me permettre de laisser cela se produire. Dressez-vous au mage d'ici, et vous verrez ce que vous pouvez apprendre. Si vous pouvez faire réapparaître Giscard, vous aurez votre recommandation. Très bien. Venez me voir dès que vous avez trouvé Giscard. Bien sûr, pas de souci. Alors on va vraiment piller cet endroit. Variété de Dédra, connaissance sur Tamriel, on s'en fiche. Tier conquête, on s'en fiche. Nickel, ténèbres profondes. Livre des Dédra. Un conseil, la première fois que vous venez ici et que vous avez le droit d'emporter des choses, vraiment ne vous gênez pas, hein. Prenez-les. Prenez-les, tant que c'est possible. Hop, ténèbres profondes. Du moins, prenez-les avant d'avancer dans la guilde des mages. À ce moment-là, c'est votre dernière chance pour récupérer. Hein. Vous comprendrez très vite pourquoi. En attendant, vraiment, ne perdez rien. Tout ce qui peut potentiellement vous être utile, même ne serait-ce que potentiellement, vous prenez. Alors. Tout ça, je prends. Ok, donc cet endroit est vidé. Ici aussi. Alors on va aller voir là. Il n'y a personne, ma foi. Il n'y a rien. Enfin, pas grand-chose, du moins. Fondement d'alchimie, on s'en fiche. Le reste, on s'en fiche un peu.
Chaussures à boucles, on s'en fiche, les plumes C'est un aussi. plaisir de parler avec vous. Je n'arrive pas à croire qu'un associé de la guilde des mages ait été retrouvé mort à Shedin Hall. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Vous voyez, il est là, mais il est invisible. Bah alors, il m'a fait peur, je m'attendais pas à le voir ici. Est-ce qu'il peut être n'importe où dans les pièces, quoi? Bref, du coup, il m'a coupé la chic dans mes explications pour vous. C'est pas grave. Alors, on va récupérer les habits qui sont sympas. Ok. Ok. D'accord, donc on va commencer par les appartements de Jeanne, qui sont du coup à ma merci. Hop. Mystère de la princesse Talara, volume 5, il me semble. Il me semble qu'on l'a. Ça, on l'a. Je suis même sûre qu'on l'a. J'en suis sûre. Alors. Machin moins dur sur Morrowind. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis un livre rare ici. Hein. Alors. Salut. Je m'appelle Selena Orania. Je suis un compagnon de la guilde des mages. Qu'est-ce qu'elle vend? Faisons affaire. On a plus puissant. On a plus puissant. Regardez ce que Et j'ai à là. vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Je ne vous en ai pas. On prend tout, hein. Vraiment, absolument tout ce qui peut nous être utile, on le prend. Je ne vous en ai pas demandé assez. Hop, idem. Là, c'est pas le moment de compter, on en a vraiment besoin. Par contre, on va les ranger, on n'aura pas besoin de tout ça tout de suite. On en aura besoin pour la quête principale. Vous êtes très dur en affaires. Vous avez acheté ça pour une misère. Qu'est-ce qui peut nous intéresser d'autre? Ah, les gemmes spirituelles. C'est une bonne affaire. On en prend des puissantes tant qu'à faire, hein. Même petite. Hop. Et tout ça, on s'en fiche. C'est un Ok. plaisir de pouvoir vous servir. Voilà, et donc parle-moi de Giscard. Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. Haro et Giscard veulent s'amuser très bien. Je ne vais pas m'en mêler et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Allez leur en parler. Et effectivement, elle est Vous sincère. aussi. Elle ne nous sert à rien dans cette quête. C'est Volanarone, là, dont elle a parlé, qui va nous aider. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de vider les salles. Là, il n'y a rien. Reine des loups, volume 3. Je pense qu'on va se laisser là, je ne pense pas qu'on l'ait. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un truc un peu secret. Là, du tapage qui règne dans la salle commune, venez à la vue de Gérald. Paisible, raffiné, pour les clients exigeants, tout le monde sait que la qualité a un prix. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Je pense qu'on n'a jamais lu ce livre. À tout de suite. Alors, du coup, on a lu le petit livre. J'ai toujours peur avec ce truc. Bon, attendez, petit bug. Alors, on se retrouve sur Oblivion, s'il y a un Déremora, c'est normal, c'est moi qui ai fait des tests son avec ces hurlements. D'habitude, je le fais, mais là, comme ailleurs, mais dans la maison, mais comme là, on était ici, ça s'est vu, donc ce n'est pas très grave, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, j'étais en train de tout visiter, je crois, pour récupérer ce qu'il y avait à prendre dans cet endroit avant qu'on ne puisse plus. Donc voilà. Et après, nous allons passer à
à la quête de la recommandation, qui n'est pas compliquée au fond. Alors, ténèbres profondes. Sur Morrowind, c'est bon. Guide de Chorol, c'est bon. Moi, histoire de l'Empire, oui. Les biographies, oui, c'est bon aussi. Guide de Chorol, c'est bon. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est bon aussi. Chaussures galon d'or, tenue velours bleu, on prend. Liste de cours, Serbe de sang, Arada, Château, Polydor, Amadou, Noix de bois de fer et chapeau, Mutinus élégante, on s'en fiche un petit peu aussi, donc voilà. Alors nous allons chercher notre petit Volarano ou un truc comme ça, c'est un nom comme ça il me semble. Ah c'est fini, recommandation de Bruma. Attendez. Ah oui, c'est fait, oui. Faut que j'aille parler au mage. Oui. De ce côté-là, il y a peut-être des coffres, des trucs. Partez. Ah. Vous allez tout ficher en l'air. Bella, bella, bella. C'est pas toi que je veux, c'est le tonneau. Ok, alors on va chercher. Volarano, où est-il? Elle, on s'en fiche. Merci d'avoir posé la question. J'ai entendu dire que bon vent. C'est lui. Volarano à votre service. Vous cherchez un sort? Vous avez besoin de recharger un objet? Ou bien vous voulez faire une blague à quelqu'un? Pas de problème. Ah, on va voir ce que t'as comme sort. Boule de neige, c'est faible. C'est faible. Ça, on prend évidemment. Toutes les invocations, on les prend. Manche santé. Ça, on va prendre parce que c'est rigolo. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Soit, soit, soit. Est-ce que j'ai des Faites toujours en sorte que votre équipement magique... Oui, pourquoi pas. Maintenant qu'on en a les moyens... Au revoir. Ah, bon attendez, on J'espère va parler aux pouvoir autres. Vous être utile. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Plume, répit, dévouement, empressement, potion magique. Bof, bof. Hein. C'est bof, bof, tout ça. Et Je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera? C'est pas énorme. Hein. Et réflexion de sort. Bon. Au revoir. Elle, je lui ai déjà parlé. Vous avez réussi à trouver. Pas encore. Venez me voir dès que vous Est-ce avez trouvé. Il y en a d'autres qui traînent dans le coin. Non, apparemment pas. Donc on va reparler à lui. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour rigoler un peu, on va se servir de son sort. Oh, attendez. Ouais, mais ça c'est mieux ça quand même. Où tu vas? Bonjour. Bonjour, Jaskar. Vous voulez retrouver Jaskar? C'est bon. Je pense que je peux vous aider avec ça. Mais vous devez tout d'abord accepter de faire quelque chose pour moi. Ah bon? Et quoi que vous fassiez, n'en parlez surtout pas à Jeanne, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? À l'attitude à prendre. Vous m'aidez à jouer un petit tour, et je vous aide à retrouver Jaskar. Ok. Laquelle? Eh, vraiment, ça va vous plaire! Je vais vous apprendre un sort permettant de déverrouiller ce qui est fermé à clé. Il faut juste que vous ouvriez le bureau de Jeanne, et que vous me rameniez son livre de sorts, d'accord? Oui. Sa chambre est à l'étage. Attention, ne vous faites pas repérer. Faites cela pour moi et je m'arrangerai pour que vous retrouviez Jaskar. Voilà, en fait, il la trouve pas douée, donc du coup, il veut qu'elle se retrouve sans son livre de sort. Mais bon, on s'en fiche un peu, nous, parce que on a la clé qui ne finit jamais, donc voilà. Ça, c'est fait. J'ai le manuel de sorcellerie de Jeanne. Je dois aller le donner à Volarano. Hop, j'ai vraiment du mal avec son nom, décidément. C'est un nom pas très intuitif. Avez-vous déjà joué ce petit tour? Oui, je l'ai. Je vois que vous avez le livre de Jeanne. Bon, très bien. Je vous le prends. Retrouvez-moi au quartier d'habitation après 10h du soir. Ok, elle va revenir. Alors hop, on descend. Hop. Blablabla. Léger bug. Alors, quartier d'habitation. Une chambre, c'est par là. Alors, nous allons attendre 10h du soir. Bah, écoutez, c'est bon, il est 10h du soir, donc on va attendre une heure.
Non, AM, c'est le matin. Oh là là. On va attendre 10 heures du coup. Je vous raconte des bêtises. Voilà. J'y suis. Bonjour. C'est une bonne idée, pas vrai? Je me demande combien de temps elle va perdre à se demander où elle l'a rangé. Pas mal, pas mal. Alors, du coup, Jessica, il est où? Bonne journée. Bon, il est plus de 10 h du soir, non? Je me trompe pas? Ah, si, je me trompe. Je ne sais pas compter. Prêt à retrouver Jisker? Oui. Faites attention, vous verrez. Voilà. C'est un plaisir de parler avec vous. Donc on va parler à Jisker. Bonjour. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Oui. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. On voulait juste s'amuser un peu. Nous en avons juste assez de Jeanne et de son arrogance envers nous alors qu'elle s'y connaît à peine en magie. Nous aimons lui jouer des tours de temps en temps. Nous nous sommes dit qu'il était temps de lui faire une nouvelle farce. Celle-ci commence à être ennuyeuse de toute façon. Alors vous pouvez lui dire que vous m'avez trouvé. Voilà, donc on va aller pouvoir le dire à Jeanne. Bonne journée. Et avoir notre recommandation. Bonne journée également. Oh, elle vient de sortir. Doit être là-haut du coup. Elle va se coucher. Jeanne, attends. Réveille-toi, j'ai retrouvé Jisker. Vous avez réussi à trouver Jisker. Jisker, oui. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? J'imagine que c'est une bonne chose. Veuillez m'excuser, mais je crois que j'ai égaré quelque chose. Bon, oui. Peu importe. Vous avez honoré votre part du contrat, alors j'honorerai la mienne. Raminus aura ma recommandation. Merci. Et surtout, ne m'oubliez pas à la fin de votre entraînement. Je suis sûre que nous pourrons nous aider mutuellement. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Prenez soin de vous. Donc du coup, nous avons... Voilà. J'ai reçu des recommandations de toutes les guildes de Cyrodiil. Il faut que j'aille à l'université Arcane afin de parler avec Raminus Paulus. Mais avant, nous allons rentrer à la maison et nous laisser là pour aujourd'hui. Afin d'aller déposer nos petites affaires... Et donc nous rejoindrons véritablement la guilde des mages la prochaine fois en nous rendant directement au niveau de la cité impériale. On sera déjà un peu sur place hein, vu que nous on habite là et qu'on va aller là, donc on est juste à côté. Par contre j'aimerais bien qu'on monte de niveau là, mais alors, vu qu'on fait rien, c'est pas évident. Parce que comme ça on pourra de nouveau aller s'entraîner à l'altération à Braville. Je crois qu'il y en a un à Skingrad aussi me semble, hein, qu'on avait vu. Ah, attendez, c'est quoi ça comme tour de magie? L'illusion, mais l'illusion on est déjà au niveau 100 aussi. Hein. Destruction 91, c'est pas mal. Et au niveau des sorts, il y a juste l'altération, on est à 19. Hein. Dans deux niveaux, si on s'entraîne à chaque fois, on sera niveau 25 et on pourra le monter tout seul comme des grands. On voit rien! On voit rien, attendez. On voit un tout petit peu mieux, mais alors pas de beaucoup. Hein. Vraiment pas de beaucoup. Mais là, c'est pas... On voit pas mieux non plus. Donc bref, c'est pas grave. Alors, du coup... Je crois qu'on a juste récupéré de la nourriture, il me semble. Peut-être que j'ai acheté des potions, je ne sais pas. On va aller voir ça. On va d'abord dans la grotte, de toute façon. Alors hop. Pour ranger toutes nos petites affaires, ça peut être pas mal. Hop hop hop. Allez. Hop. Ah, des habits aussi. Il y avait des habits. Alors attendez, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Les habits, il n'y a pas de bijoux. Pas mal de potions qui me prennent pas mal de place. Donc on va en poser pas mal, hein. On va en poser 11. Voilà, on va s'en laisser seulement 2. Tout
Ça, on va la garder pour... La quête principale, ça va nous faire un petit peu plus de place dans notre inventaire. Ah, il y a ça aussi. Bouclier de froid. Ah, il y a des gemmes spirituelles et une peau de loup, d'accord. Des gemmes spirituelles, c'est là. Oui, en même temps, c'est évident. J'avais forcément ramassé des gemmes spirituelles. Et acheté aussi, très certainement, la pierre de Valkind. Je vais la poser. On n'a pas besoin pour l'instant. On est encore trop petit pour les doigts de la montagne. Donc, on verra ça une prochaine fois. Vers la fin du jeu, je pense. De toute façon, ce sort nous sert à rien. Ça nous donne un sort de foudre très puissant et puis c'est tout. Donc voilà, c'est pas hyper, hyper important. On ne loupera rien quand bien même on n'atteindrait pas la puissance absolue. Puis si jamais à la fin du jeu on n'est pas assez puissant, et bah je nous passerai en mode super fort pour vous montrer quand même ce que ça fait sans avoir à farmer pendant 50 ans. De toute façon, on va faire le jeu à 100%, on va faire toutes les grottes aussi après. Peut-être en bonus après avoir attaqué un autre Elder Scrolls. Je verrai. Hop. Parce que sinon on va rester 5 ans sur celui-ci et on fera pas les autres. Donc voilà. Ce serait pas l'idéal non plus. Ok, nickel, nous sommes vidés. C'est parfait. Alors. Cabane de la cité impériale. Super, on va dormir une heure. De toute façon, il est encore super tôt, ce sera pas ouvert. On va sauvegarder. Fin recommandation. Bruma. Et je vous dis à la prochaine fois pour enfin rentrer dans la guilde des mages. Portez-vous bien, à bientôt.